Hey, salut tout le monde, c'est Stekolo, comment ça va? Merde. Mais t'as dit Stekolo là. Mais non, mais ma mère m'a dit tu veux des steaks à manger. Oh non, putain. Bon, hey, salut tout le monde, c'est Stekolo, comment ça va? Et bon, ça va très bien, on se retrouve pour les play de Pokémon version jeune. Et on se retrouve pour la ligue Pokémon, donc c'est le dernier conseil, je ne sais pas c'est qui, c'est aléatoire et c'est bonus si je suis en compagnie d'une personne qui rigole. Crawler. Putain, j'ai dit Stekolo. Ouais. Vous avez réussi à gagner tous les matchs et vous voilà arrivé à la grande finale. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne locale, sur votre chaîne YouTube Spectrolo. En route pour votre dernier combat. Bonjour et bienvenue à cette finale de la Ligue Pokémon. Nous retrouvons Spectrolo qui attend son adversaire. Le voilà qui arrive. Il s'agit de 3 petits points. Roulement de tambour. Oh! Quelqu'un... Non! Non, dis-moi que c'est... Ah non, Aurore. Aurore. Ah, ça va, je pense qu'elle est pas super forte. Elle. Yes! Ah, trop bien son skin. Ah, elle a 5 Pokémon. Elle en a que 5. Oh, oh oui! Ouais, voilà. Oh oui, ça va être cheaté! Vas-y, moi je dis, tu fais lance-soleil. Ah non, mais pourquoi ils arrêtent le poudre de dos? Non, non, tu sautes. Vas-y. Pas... Non. Non, c'est pas vrai. Je vais pas me faire battre par Aurore. Oh, mais putain. C'est super efficace, ça tue même pas. C'est quoi ce... C'est quoi ce cheaté? Il pouvait pas s'écraser au sol ou je sais pas quoi. Vas-y, prends chrono, tu fais marteau point, ça va être vite fait. Ouais, je pense. Bon, à la limite, j'aurais fait canicule ou lance-flamme, c'est... Ah, ouais, moi, je dis one-shot, marteau point. Non, moi, je pense que ça va pas le... Oh, quoi que... Ouais, niveau 146, ouais, non, hein. Mais t'as vu tout ce que ça lui a fait, quand même. J'avoue. Et toi, c'est... Oh, il te fait rien, hein, en attendant. Ouais, mais j'ai eu de la chance qu'il m'a pas rendu confus, hein. Ouais, mais j'ai eu de la chance qu'il m'a pas rendu confus. Ouais. Ah, quand même, 3800. Pas Sirisu. Je pense, ouais, Galeking. De toute façon, à mon avis, il va pas te faire mal. Hein. Oh, moi je te dis pas pareil. Ah, moi je te dis vraiment pas pareil. Pas Sirisu, il est quand même niveau je sais pas combien. Ah oui, et du coup, on l'a récupéré, Galeking. Ah oui, on a oublié de préciser, excusez-moi. Parce qu'en fait, j'étais tombé sur. Sur Régis, et vu que j'ai fait une vidéo bonus que j'ai pas postée pour le moment, mais à mon avis, que quand je dirai ça, elle sera déjà postée, je pense. Donc après, deux fois Régis, ça fait un peu bizarre, donc on a recommencé un petit peu la Ligue Pokémon, et c'est pour ça que les Pokémon ont un petit peu monté de niveau. Notamment, j'ai donné 2 méga bonbons. 2 méga bonbons. Et 3 super. Et 3 super... Ouais. T'as donné les 2 méga à Rosaphir et les 3 super à Florizarre, je crois. C'est ça, exactement. Ben, moi je dis pour l'instant, ça se passe pas trop bien en fait. Bah là, s'il dort, tu peux regagner toute ta vie, je pense. Fais lance-soleil pour voir si c'est. Je pense que ça lui fait pas mal de dégâts. Hein. Ouais, mais attends, il me reste combien de Pokémon, il faut se dire. Ouais, Galekin. Ouais, ça va. Ouais, on tente le lance-soleil, hein, on est des fous. Ouais, quand même niveau 152. Hein. Ah, ça fait pas que ça fait... Ouais. Ça fait pas grand chose en fait. Ça. Pas si bien que ça en fait. Tranchère. Bah, fait des tranchères. Ben. Vu qu'après il va mourir à la vampigraine, donc on s'en fout un petit peu. Ouais. En plus, il t'a armé toute ta vie. Il est sympa, il fait infirmière Joël. Ah, dernier cœur, ça va faire mal, je pense. Ça va peut-être le one shot. Ah, quoi que, même pas. Ah, il inflige des dégâts en plus. Et il est mort. Tranche herbe pour le finir. Voilà, et j'aime pas tenter le lance-soleil parce que. Capidextre. Chrono, tu fais. Ouais, mais t'as vu sa vie pour le moment. Ouais. Moi, je pense que je fais poudre. Ah merde. Oh, elle a exactement les mêmes Pokémon que dans le dessin animé. Oh putain, il m'a enlevé beaucoup de PV, hein. Oh là là, le dégommage, mais il m'a dégommé la gueule. Hein. Ouais, j'avoue. Oh putain. Ah c'est... Ah ouais putain ça fait vachement mal hein. Oh, tu te rends compte le dégommage?
Mais on lui quoi? Un HP je crois. Prends cher je pense. Ah c'est pas totalement efficace mais bon ça fait quelques dégâts. Ouais. Tu vois. Je vais faire un lance-soleil je pense. Je vais tenter un lance-soleil. Et t'as vu la vampigraine elle est buggée parce que au moment où je draine l'ennemi je regagne un HP en plus, t'as vu? Ouais. C'est assez bizarre, Pokémon Gem est assez bizarre J'sais au pas. Niveau des bugs. Ouais, il y en a vraiment beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que... C'est pour ça, avant que je lance la démo de Pokémon Dark Destiny, il faudrait qu'on enlève un maximum de bugs avant de vous présenter une démo assez enrichissante jusqu'au premier badge, donc ça ferait à peu près 2h30 de jeu, etc. Tu vois. Cochignon, ouais, vas-y, Rosafir Canicule, je pense que ça lui enlève la moitié. En plus, dans le dessin animé, elle a un momochon, même pas un cochignon. Ah merde, ça a raté. Bon, je pense que ça va le one-shot. Ça va faire mal. Ça va le one-shot, je pense. Non, peut-être pas, je dis. Si, ça va le one-shot. Ah non. Eh ben non. Ah putain, j'ai vraiment de la chance. Hein. Tu fais un rappel max, comme ça tu pourras le... Ouais, tu fais un rappel max, tu fais lance-flamme après et ça suffira. Ouais, je pense. Mais c'est moi qui attaque en premier, je pense. Ouais, en plus, donc... Au pire, Crawler. Ouais. Fais ballon pour voir. Ouais, je voulais faire un rappel au cas où. Je pense pas qu'il y a un one shot. Ouais, si, tu pas, je pense, t'attaques avant. Ah, il a séisme. J'avais pas pensé ouais. À ça. Il fait quand même mal, hein. Personnellement, je trouve qu'il fait assez mal, cochon. Ouais. Alors le pire c'est Mamochon hein. Oh, le ouais Mamochon, ça aurait été un Mamochon, ça aurait été hard franchement. Ouais, t'aurais fait lame de roc séisme, blizzard, glaciation, ou laser glace, ou psycho, enfin je sais qu'il a pas énormément, il a pas toutes ses attaques là. Ah Tiplouf, oh putain. Ah oui, d'abord là c'est gagné, allez, alors la ligue, la ligue en même pas 10 minutes chrono tu sais. Moi je dis Tiplouf niveau, voilà 165. Oh putain là ça fait mal, ok quand même. Allez, oh, un lance-soleil, je dis, ça lui enlève la moitié de sa vie tellement il est nul. Vas-y, on tente franchement le lance-soleil. Hein. Allez, ouais, je ça craint rien à part s'il te fait genre bec-vrille. Oh putain, et il a pas résisté parce qu'un coup critique en plus. Oh là là. Donc les amis, et ben on a réussi à finir la ligue Pokémon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci encore à toi de venir dans cet épisode Crawler 18. Bah de rien, c'était vraiment sympa. Il a également une chaîne YouTube renommée Crawler 18. C'est incroyable. C'est Crawler 18. Nous venons d'assister au sacre d'un nouveau champion. Il empoche 100 000 Pokédollars. Et si par exemple vous voulez avoir des Pokémon vachement cheat, je pense notamment à Eatran ou Eatran, je sais pas comment on le prononce. Tu vois ce que je veux dire ? Eatran. Je pense que je pourrais montrer ça. Par contre, il faudra quand même 1 million de Pokédollars. Et je pourrais montrer peut-être ouais. Aussi l'eShop secrète. Si j'ai pas pris le vélo, je pense que j'ai pas pris le vélo, mais j'avais pris le bon. Ouais, je sais pas si ça marche si t'as pris le bon. Faudrait que j'essaye. J'essayerai en hors champ pour voir si ça marche. Et comme ça, on visitera un petit peu l'eShop secrète. Et peut-être je me ferai les légendaires. Pour l'instant, je ne sais pas parce que les légendaires sont vraiment très très compliqués à avoir. Notamment Mewtwo, où je vais avoir vraiment énormément de mal, je pense. Ouais, mais moi j'ai vu, il y a un abonné qui m'a montré sur Skype. Il est vraiment super cheat. Tu le chopes niveau 60 et il avait déjà 300 d'attaque spé. C'est vraiment un truc de fou. Mewtwo, il est cheaté de la mort. Ouais, mais si je fais poudre d'eau, je fais vampigraine. Non, faut pas le faire vampigraine parce que. Il rentre tellement pas souvent qu'au bout d'un moment il a plus d'attaque et il fait lutte. En gros, il s'enlève les PV tout seul. Ah merde. Ah bah oui, d'accord. En gros, faut jamais l'attaquer. Tu fais juste de lui lancer des balles et de l'endormir. D'accord, ça marche. En tout cas, bah merci d'avoir regardé cet épisode. Je sais pas si on va continuer un petit truc ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Sachant que j'ai tous les badges, j'ai terminé la ligue Pokémon. Capturer les 120 Pokémon pour avoir vol. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir vol? Ça, il faut se poser la question. Non. Si, pour capturer Mewtwo, tu peux pas faire 100. Ah ouais? Ouais, puisque... Bah, mets la map, là, je vais te montrer. Attends, je vais me soigner. Mais par contre, comment on fait pour avoir ces fameuses baies, les belles gars, comme ça? Ou alors, c'est des éléments du décor? Je sais pas. À moins de passer... non, je sais pas. Bah, mets la map, je vais te montrer. Parce que pour avoir Mewtwo, au début, faut battre... Raid 6 fois qui est un peu partout sur la map, il est niveau 70.
Bien, bah on peut se tenter un petit peu raid. Et après, faut battre deux fois Mewtwo, une fois dans la caverne azurée, donc il a une équipe niveau 180, c'est un truc de malade. Ah ouais, quand même. Et après, bah faut le rebattre sur l'île mystérieuse que, si tu veux, je te montre sur la carte, parce qu'il faut faire vol, tu peux pas y aller autrement. D'accord. Non, fait, elle est pas là la carte, elle est dans l'inventaire avant. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, elle est, tu vois, ON vers Pacifiville, c'est en dessous. Ici? Bah, descends, non, en dessous de Pacifiville, tout en bas. Ouais, là, la petite île, là, voilà, île mystérieuse. D'accord. Tu fais vol ici. Et il y a Mewtwo dessus. Ah, je sais ce qu'on peut montrer. Après, bon, on s'arrêtera là. On montrait une petite partie d'ON, ouais. Petit bonus, vu qu'on a fini la ligue en même pas 10 minutes. Ouais. Par contre, faut un Pokémon du Pokémon O pour progresser, donc je vais enlever Galekine qui sera un peu... Enfin, Galekine m'a pas forcément aidé. Funer m'a beaucoup aidé pour les sacrifices. J'ai capturé un Stalgamin en hors champ que je n'avais pas dit dans les épisodes précédents quand j'ai commencé la ligue. J'avais aussi capturé Axoloto, Titar, Lumivol et Musiole. J'avais oublié de préciser ça et je crois que c'était tout. Donc il me faut un Pokémon de type eau qui peut apprendre plongée, donc Je sais pas, t'as pas un où est le maire. Il y a combien de boîtes là? Je sais pas, 30 peut-être. Ouais, non, 29. C'est beaucoup. Hippotrempe? Non. Ouais, peut-être, je sais pas. Welmer. Welmer, ouais, Welmer. Ouais, je l'appelais gros porc. Lol. Mais elle est trop stylée, attends. Gros porc veut se battre. Elle est là. Elle est endormie, on s'en fout un peu. Semir Giglédo. Putain, Giglédo, mon pote, une attaque de 150, ça c'est un truc de psychopathe. Ouais, j'avoue, c'est abusé. Ça par contre, il est un peu cheaté là. Là, franchement, je le prendrais dans mon équipe si j'avais pas des Pokémon très forts, tu vois. Ouais. Donc, on va enlever Brume, je pense. Et je crois que j'ai déjà plongé, que j'avais récupéré un plongé, je pense. Ça me fait énormément CT, hein, perso. Hein. Ah, plongé. Ouais, voilà. Plongé. Ah Dors, tu t'en fous, pas grave. Ah mais il peut même pas la prendre. Ouais, c'est bizarre. Ah si, je sais pourquoi il peut pas la prendre, c'est parce qu'il la... Non, c'est... Ouais, ah c'est oui, un... il la prend... C'est un bug, mais il la prend tout seul. Il la prend montée de niveau. Tentacruel peut la prendre siphon... pas siphon, plongé, je pense. Les poulpes que je vendais à Argenta à bon prix, 10 000 poké dollars. Ah, ça me rapportait bon, gros. Maintenant, avec les 100 000 de la ligue, ça vaut plus rien. Oui, voilà, exactement. Plongée. Pourquoi il est pas apte? Il peut apprendre plongée, Ah, peut-être dans les niveaux plus de 100, peut-être. Ah, c'est n'importe quoi, c'est what the fuck. Ah, parce que normalement, il apprend plongée, hein, je me semble. Un Sharpedo, peut-être, plongée, non? Ouais. C'est un Pokémon haut. Ça serait bizarre s'il peut pas apprendre plongée, hein. Mais comme je te dis, vu qu'il y a énormément de bugs dans Pokémon Gem, maintenant je suis pas trop surpris. Notamment, attends, pistolet à eau, je crois que... voilà. Ah ouais, Pagoleon ne peut pas apprendre pistolet à eau. Non mais... Ouais, gros non, bug. Allô quoi, c'est un truc de fou. C'est un gros bug par contre. Tu vois, il y a énormément de... Ah voilà. Ah, je l'ai pris Feeds un peu comme... je sais pas si tu connais League of Legends. Ouais, non mais j'y joue pas. Ok. Donc il fallait à Parmani me semble. Ouais Parmani. Ouais tu surfes à Parmani. Elle est où la boutique du vélo déjà? Ça, bah au pire sinon parce que vu que c'est loin on peut faire une ellipse pour y aller. Ah mais je ne sais plus où c'est en fait. C'est Azuria le vélo. Ouais. Non ouais, mais ouais. Pour aller à Parmani après parce que c'est loin. Ouais non mais je ferai une ellipse à mon avis à Parmani. Mais c'est juste pour voir si je peux débloquer les shops secrètes. Ah à moins qu'il faut 1 million de Pokédollars. Ah bah oui il faut 1 million je crois. Ouais il faut 1 million mais demande parce que si t'as déjà pris le bon ça marche pas. Ah oui faut... Bah parle lui. Je t'échange. Ah merde. T'avais déjà pris le bon donc ça bon, va pas, tu pourras pas le faire. C'est un peu chiant. Parce que si vous achetez la bicyclette à 1 million de poké dollars ça débloque une e-shop secrète. Ouais. Vous pouvez acheter pas mal de CT, pas trop cher etc. Attends mais... Ah il va à 2 à l'heure. Non attends c'est ça le vélo. C'est quoi autant courir hein. Non arrête. C'est un bug de Pokémon Gem là. Attends ouais. Le vélo c'est ça. Attends. Faut bien l'annoncer aux abonnés. Alors si vous aimez bien le vélo, ne prenez pas le vélo. J'avoue.
quoi ce délire? Autant acheter la... Autant l'acheter à 1 million de Poké$ pour débloquer l'eShop. Hein. Ah, c'est marqué pour aller plus vite en plus, hein. Attention, hein. Pour aller plus vite qu'en marchant, hein. Mais en marchant, on va plus vite, hein. Ah, j'avoue. Ce délire. Ah, je sais pourquoi. Peut-être il faut appuyer sur la touche PK. Ah, voilà. Ouais, c'est pas plus rapide. C'est même un peu plus lent, je pense. J'étais mauvaise langue, il fallait toucher sur la touche PK. Donc c'est un raccourci pour aller plus vite. C'est pas très rapide. Hein, hein. Donc écoutez, on va faire une petite ellipse. Et on se retrouve pour Parmani, pour vous montrer un petit peu une petite partie de Wen. Voilà tout.